Bonjour à tous et merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission de cuisine comme d'habitude où on va parler bien entendu de beaucoup de choses dans cette émission-là, hein, comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir, on aura dans un instant le groupe de Rogers. En fait, c'est un groupe qui vient de temps en temps cuisiner un petit peu pour nous. Et aujourd'hui, ils vont faire, paraît-il, un canard et boucaner ensuite. Hein. Et comme bien entendu, quelques personnes ne mangent pas de canard, ne mangent pas de boucaner et tout ça, un petit bois de pilchard, poire à bon, ou bien pour malo éventuellement. Mais malo, je crois, il mange le canard. Hein. Et bon, ben, nous retournons dans un petit instant. Hein. Ok, moi-même, ça prépare tout, faire une mise en place. Et puis après, ben, dans un petit instant, on nous retrouve dans la cuisine avec tout le monde. Allez, à tout de suite. Monsieur Rogers, ben, ça va. Vous voulez bien? Oui, hein? nous bien. Mais un bien manque à où? À ce que si un bien manque à ça? Hein? Vous allez bien, mais le bien manque à ça? Oui, voilà. Un joli bien. Hein? Vaut mieux, on va trop le bien, mais on est content, on est heureux. Oui, voilà. Hein? Enfin, on est content, on a trouvé un petit coup. Et sur nos deux pieds. Sur deux pieds? Voilà, allez voir là, ok. Mais est-ce que ça reste pas là? On connaît, il travaille. Désolé. Mais bon, n'inquiète pas où. N'inquiète pas. Mais bon, Nanmoun là ici là. Hein? Nanmoun, voilà. Nanmoun, n'inquiète pas, Nanmoun, il est là. N'arrête pas tout seul. Mais bon, alors, ok. Hein? Ah, vous cuisinez pas un peu aujourd'hui là? Un petit peu. Un petit peu, alors. Les bon, alors, marche à coup de chapeau alors. Ah, ouais, obligé, il fait frais. C'est vrai. Allez, bon. Ah, moi, je préfère l'Afrique que l'été, moi. Bah, oui, moi, je préfère. Et la première fois, manger mon garde-corps. Le marché de garde-corps, avec quelques gabarits là. Eh ben, dis donc, le bon Bernard, là aussi avec nous là. Ça nous accompagne le citron pour pas trop la moustique, cela. Citron tient moustique. Citron tient moustique alors? Ouais. Allez, bon, alors je vous dis citron tient moustique. Allez, bon, ok. Bon, ben, les bons, mais laisse les autres installer pour nous revenir un instant. Allez, bon, allez, à tout de suite. Le canal arrivé. Ah, vous êtes arrivé alors? On trouve chemin alors? Moi, je trouve chemin. Ben, Rogers, on va trouver chemin. Voilà. Madame, dis-moi Eliette. Hein. Les témoins, Madame Eliette, alors, les plus simples. Voilà, simple comme bonjour. Les bon, ok, alors. Hein. Donc là, qu'est-ce que c'est le canard, là? Qu'est-ce que ça fait que ça, canard, là? On va faire un petit civet. Un petit civet canard, alors? Ben, on va faire un petit civet canard. Mais les bon. Ok, alors, et après le boucané, ça. Depuis tout à l'heure, nous collons pour mettre boucané là, s'il vous plaît. Non, pas quand même. Et là, finalement, 11h30. Non, mais. Après 2h, avant de nous inviter, il arrive. Là, le boucané, il met pour Eliette pour occuper. Mais bon. Si après, je t'ai arrangé. Mais bon, pas de problème. Et il va mettre là-dessus, moi, on va aller plus vite. Hein, boucané là-dessus, hein. Et le canard, pendant le temps, on coupe le canard ou on va manger. Ça, c'est la fougue. T'inquiète pas, Nicolas, pas de problème. Les bons, alors, ok. Ok, hein? Les bons, bien là, donne un petit coup de main pour mettre le boucané dans le petit bouillon. Hein? Ouais. Sinon, ça y avancera pas, nous là. Hein? Bah, les bons, ok, à tout de suite, alors. Hein? Les bons. Non, ma pitié, le stock a fini. En attendant, il arrive. Un vieux. Mais même un vieux, la pitié. Ah là là. On l'oublie dans l'auto. Ben, dans l'auto. Ah, pas grave. Les bons, vous en dites, pas grave. Les bons, alors, ok. Bon, allez, tout de suite. Voilà. Bernard, là, on met le boucané, quoi. Hein. Voilà, je mets le boucané à cuire. Oui, Bernard, voilà. Mettre de l'eau dans ma mie de poivre. Bernard, on a le service, hein. Ah, Bernard est gentil, hein. Un gentil garçon, ça. Et comment on va s'il vous plaît. Non, mais ça sent témoin. Ma tête vise. Pour le prochain. Pour le prochain, alors. Bernard, tu peux rien, hein. Tu peux rien. Ok. Bon, là-bas, nous laissons les bouilles, alors, hein. Très bien. Mais bon. Après, vous présentez à vous, Charles aussi, t'es un cuisinier aussi, hein? Charles, cuisine. Non, j'ai moi, il gagne ses enfants, il gagne pas faire cuisine. Ah, il est bel, il fait tout. Non, dis maintenant, même maintenant aussi, les enfants aussi, il gagne, il fait. Il fait. Encore? Ben, avant, quand ils travaillent ensemble, nous, on allait là. Oh, pinaise. Le petit. Ah, avant qu'on travaille, cool, là, t'es fait les enfants. Ah, je t'ai fait, d'accord, et puis maintenant. D'accord, et puis? Il n'y a pas trop vieux, hein? Ah bon? Et depuis mon tuyau de mon lit. Hein? Et depuis trop mon tuyau de mon lit. Ah bon, là, on est à Libas. On est à Libas. Ah bon? Elle est bon. Je dis plaisante, bon, mais ça va, moi, il laisse se présenter. Bonjour. Bonjour, Alex. Je suis en train de me visiter mon cousin Daniel Amarante. Hein? C'est lui, là, a repris le petit centre relais, il fait l'entretien des voitures. Centre auto, il appelle ça. Il appelle centre auto, hein. Mat.
Mat. Mat, là, c'est l'enseigne. Ah, attends, me garder un coup, là. Ah, ben oui, on a le papier, là, ça. Hein? Daniel Amarante, Mat, Centre Auto, vente pièces détachées. À quel endroit? Voilà. Ben, en face, leader pas quartier français. Ah oui, voilà. D'accord, mais connais. Un petit big up, moi là. Les bons, là. Ok, alors. Bon, ben, alors. Je vais m'amener à y manger. On va aller manger. Là, c'est mon canard aujourd'hui. Canard, boucané. Puis, il y a une petite sauce pilchard. Oui. Bon, ben, là, ça fait. Je m'en vais pas trop gros. Si, moi, je m'en boucané, on a vu belle morceau boucané là. Maman boucané. M'a fait boucané la case hier soir. Tu connais pas le menu aujourd'hui? Moi, tu connais pas, moi. M'a fait le jazz hier soir, t'es 8h30 le soir. Où t'es fini de manger? Il appelle, il répond pas moi. 8h30, rappelle-moi. Les diaos, ça fait boucané. Manger, là, ça fait boucané. Non, mais maman, le canard. Ah, bien pile oui. Charme. Oui. Bien. Sauce pile charme, là. Eh ben, c'est boucané. Maman, il cuisine bien. Le bizarre, Toto, pourquoi arriver? Je ne connais pas ma bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle aussi. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pas de problème. Lui. Attends, allez. Bon. T'as l'air, viens. Ok, alors. Allez, bon. Merci, Jean-Claude. À bientôt. On a beau pédo. On a fini d'arriver là. Lulu! Ça va où? Ah, ben elle est là. Elle est là. On est content de retrouver notre petite famille de Canal le soir. Ah, ben elle est bien. Alors, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. La santé, ça va où? Côté, un petit peu. Un petit peu. Il peut aller, mais un petit peu. Un petit peu. Connais. Elle est bon, alors. Ben, elle est bon. On a fait cuire un peu manger, alors. Ah oui. On a fait cuire un peu manger ensemble. Mais ça, ouais, un coup, le banane, un coup de canard, là. Hein? Ben oui, oui. Attends, ça va. Le canal est bien, la chienne bien rouge. Hein? Le couteau coupe bien. La daroua, mon couteau coupe bien. Ah, là, là, là. Tout le temps, viens voir ça. Il enlève Corpion, là. Hein? Il n'est pas là. Non, si, si, il faut enlever. Ah, bon. Parce que si on enlève pas Corpion, voilà, ça lui va trouver. Hein? Et les autres, là, là, ils ont toutes. Ah, ben, aussi l'arrivée, alors. Ben oui. Ils ont toutes les épices. Oui. Et là, vous coupez l'oignon comme ça dans la main, ou alors? Ben, vous mélangez l'oignon avec le l'ail? Ben, il fait un mélange et les deux, ils cuisent avec. Ah, les deux, ils cuisent avec, mais il faut moudre l'ail, non? Ben, ils moudent l'ail. Ben, ouais, ouais. Alors, on passe ce couteau ici, là. Comment ça va, Christophe? Ça va bien, ça va bien. Content de retourner. Ça baise un bon petit ambiance et bien rempli les stones à l'instant, non? Bon, oui, ah, écoute, c'est sûr, ça. Bien sûr. On va essayer parce que le manger pour qu'on cuit. La manger pour qu'on cuit, elle fait la retard. Manger pour qu'on cuit. Eh, maintenant, Saint-André, un retard. Ça t'habite dans environ là-bas, il y a Ribonnet, ça t'habite Saint-André, un retard. Non, soit t'es plus 8 heures là-bas, soit t'es 6. Ah, moi, j'y cause comme ça, mais ça cachette, non? Ça cachette. T'as quoi, je reviens au midi, alors, envie de cacher. Mais Toto, l'arrivée aussi. Toto, ça va bien, ou? Toto, la vie, il enlève bien le campion, là. Tu te passes en dégâts. Eh, viens, viens voir Ali là, Toto. Eh, viens voir Ali, voir, hein. Ali coupe bien ça, viens. On dirait que l'habitude, ou ça, hein. Hein? Quand tu travailles? Non. Travaille du dimanche. Le dimanche, justement. Service partout. Service partout. Comme ça, service de la main. Fais que tu manges, service Toto. Non, on n'a pas mangé, mais plutôt d'ailleurs. D'ailleurs, alors. Ah, allez, bon. Non. Et l'autre côté, là-bas, qu'est-ce que tu as fait, hein? Hein? Ah, là-bas, il coupe en gros, hein, ou coupe en petit. À moi, il prend sa vie. À vous, prend sa vie. Fais attention avec couper là, là, il coupe sa main. À chaque fois, nous voit couper là, il me dit tout le monde, attention, coupe sa main, parce que ça, il coupe bien ça. Quand on repasse ça tout le temps, hein? Ouais. C'est bon, alors, hein? Ben voilà, maintenant, tout le monde est au travail, là. Oui, tout le monde au travail. Oui, il y a au chômage. Il y a au chômage. Prochain au chômage. Imaginez aux Anglais, on a 10 coques comme ça, attendre à moi demain. 10 coques comme ça, attendre à moi demain. Ouais. Donc, on devrait plus entrer à nous un peu aujourd'hui aussi. Non, demain, c'est notre jour. Mais ça casse mon tout. Toto, il connaît. Allez, il connaît, lui. Il connaît. Ah, bon, là. Bon, là, t'as un gros carcasse, là. Ah, oui, t'es. Bon, on sort, t'as où, là? Ouais. Il revient à l'air, moi. Allez, bon, là. Christophe, on tombe pile des piles. Oui, ah ben, le matin au corvée, la dîner en retard. Donc, en retard, tout le monde donne un petit coup de main. Ils emmènent PX, ils emmènent tout à l'heure pour le civet, alors. On a tout ce qu'il faut, là, alors. Et ma vie, ils emmènent feuille 4. Ah oui, feuille de laurier. Laurier. Du t'es brave. Ma fille dit, Roger, ça fait prendre un petit pied laurier pour moi, mais au pied laurier. Hein? Vous pouvez prendre un petit pied laurier pour moi? Oui, oui, m'a essayé, mais les marques à laurier.
Mais après là-bas, le temps peut-être ça va. Non, mais monte là, dis-moi là. Ou ben un pied pour moi. M'amène un bal, à quoi le... Un bal alors, m'amène ici là, un bal alors. D'accord, ok. Parce que ça, même quand les sacs faillent, l'oreiller est bon. Ben, il est bon, lui, ça, ouais. Ben là, on va passer dans un gros pied. Comme il fait une petite paille là, mettre un peu l'oreiller dedans, tout est bon, ouais. Ouais, ben il est bon, m'a ramené, d'accord. Mais bon, ok, alors, il est bon alors, hein. Et à où que sont ton pilé ou là, Christophe? Ah, moi, comme une pile l'ail. L'ail. Ah, moi, l'ail. Ils sont l'ail, c'est ça? À cause de pas une graine l'ail. Eh, quand le grenaille, il n'est pas bon ça, non, quand ça va danser, par exemple, là. Vous la connaissez ben, dit, ou la grenaille. Vous la connaissez ou alors? Non, mais lui, là, dis-moi, mon copain, dis-moi. Mon copain, dis-moi ça, il a dit, quand j'étais ça danser, là. Après, bonne de mon île, tu l'as dansé. Il dit, non, ben, il dit, ben, là, nous la pluche, là, il nous l'a. D'accord, alors. Ça va dans les hommes. Je lève le pied pour marcher. Je lève le pied pour marcher. Moi, je dis pas pour marcher. Je fais lève le pied pour les enfants aussi. On ne regarde pas quel pied. Ah, bon. voilà, Finza au gay, puis comme elle a. Fin trop vieux. Hein? Ah non, moi c'est avec les doigts, ça plus vite. Avec les doigts, ça plus vite. Ah, mais ouais, ça. Ben, là, tu as été habitué comme ça ou? Ah oui. Hein? La case, tout est fait comme ça. La case, tout est fait pareil. Ah, mais voilà, alors. Pareil, bonne madame malgache là-bas, quand il coupe le machin, il coupe pareil. Hein? Fais un petit coucou à tous nos amis malgaches là-bas, ils font la cuisine avec nous. Oui. Hein? Donc, ah, la semaine prochaine aussi, on aura une belle émission sur Madagascar aussi là. Hein? D'accord. Voilà. Hein? Ouais. Mais c'est comment tu as été piment et ressemblant à des cerises là? Eh ben c'est piment cerise justement. Piment cerise. Piment cerise. Oui, ben, donc, ça les fond. Ça les fond ça? Ils ont la main un bon petit peu là. Mais c'est malin carré ici ça alors? Oui, on peut mettre dans les rogailles. Piment cerise alors? Oui, piment cerise. C'est vrai que les ressemblent à cerise. Ah ouais? Eh ben. Là, il bouille même, là, hein. La rachetée, ouais. Un petit peu de l'eau encore dedans. Ben, ou la vide d'un coup, la nettoyer, pour la remettre un peu, alors. Non. Ah, voilà. Quand on le descend, on le rajoute. Voilà. C'est tout, alors. Ben, comme ça, tout est gagné bien comme il faut. Tout est gagné bien, hein. Voilà, c'est bon, comme les ça, bien hein. À où rajoute toujours les épices, hein. Oui, oui, en fait, mais je voudrais juste dire un petit mot, parce que mon un camarade qui vient de partir, ouais. Monsieur Michel Beck, c'est pour... Il est parti où, ça? Nous a quitté pour l'avion, moi. Non, nous a quitté pour l'avion pour un autre monde. Ouais, il nous a quitté pour un autre monde, effectivement. Voilà. Ben, moi, je dis RIP, tout simplement, et mes sincères condoléances à sa famille et dans le monde de l'athlétisme. D'accord. Puisque c'était vraiment un grand pour nous. Si aujourd'hui, je suis comme ça, et même si j'étais dans le monde de sport, ben c'est un peu grâce à lui. Parce qu'on est dans le sport, ouais. Ouais. Ah, c'est le vélo, ouais. Ouais, ouais. Mais il y avait cette fameuse entente et l'envie de nous pousser. Ouais. C'était un gars qui était vraiment dynamique. Ah bon. Qui est parti, malheureusement. Donc, d'accord. C'est un condoléances à sa famille. Mais bon. Merci, Christophe. Merci, vous autres. Hein? Mais bon, hein. Et là, ça crase un peu. Un peu girofle là-dedans. Un peu girofle, madame. Un peu girofle. Non. Avec un petit poivre. Ou la mélange poivre avec girofle là. Ah non. Non, là c'est rien que girofle là. Rien que girofle. Rien que girofle. Il est bon, hein. Là, pour le petit grain muscat. Ça a été la même, hein. C'est écrasé. Je suis monté là. Alors, l'unamuscade. L'unamuscade. On n'a pas mené. Non, l'unamuscade est là. Ben, hein. Regarde, hein, l'unamuscade. Ah, l'unamuscade dans toi. Voilà. C'est bien. Il est bon. Ok. Ben, donc, tu es bon. Après, on a un petit vin. Un petit vin. Un petit vin. Hein, on va prendre ben, avec des toiles dessus là, non? Ah, non. non, hein, c'est bon. Et après, on n'a pas oublié PSI, hein. Ah non, on a tout. Parce que si c'est après PSI dedans, c'est pas bon ça, non? Ah non, on a PSI. Hein, mais... Là, tu vois, un carré biché, il faut mettre quand on met les dedans. Mais un civet canard, on va mettre PSI. PSI, ils ont envers. Il a un petit pari là, tu. Ah non. Semaine prochaine, ça fait une émission biché, voilà, parce qu'il venait un peu biché, on l'a gagné depuis l'année dernière, hein. Faut mettre côté milite. Ah, ça va être Cotomili, ça va être tout au Cotomili. Ah, ben. Le titre, ça va être Caribiché au Cotomili. Ben, ils sont encore en tant que goûter. Hein, bah. Les bons alors, ok. On va faire quoi les autres. Les bons. La chorale, ma amie, elle a fait une coupe de canal, ça fait revenir le canal, hein. C'est ça, exactement. Revenir à l'île entre les morts ou bien revenir à l'île, ça? Ah ben, entre nous la même. Il y a qu'entre nous la même alors. Exactement. Hein? Ah ben, ça fait revenir le canard. Vous connaissez où ça, le canard, ça revient? Ben, quand il est dans la marmite. Et dans la marmite, ça fait revenir, voilà. Hein? Revenir. Et vous croyez vraiment que ça revient? Ben, va revenir de notre ventre. Ah bon? Ça va de notre ventre. Ah, notre ventre alors. Oui. Hein? Ou attendre deux ans là?
Oui. Hein? Ça c'est les avocats, ils tombent sur la tôle, les ça. Avocats, ben, ouais. Et il m'a fait un toit exprès pour que quand les avocats tombent sur la tôle là, ils glissent. Non, ils glissent sur la tôle là, et ils atterrissent dans le parc cheval, et ben, le cheval, il mange les avocats. Eh bien, nous ne mangeons pas les avocats, c'est le cheval qui mange. Ben oui, mais quand il arrive à tirer comme ça, il est pété, on dit là. Ah bon, non. Les avocats, ils vont aller casser sur le pied. Parce qu'à l'heure où on est là, il va aller casser des avocats sur le pied, ou dit, il monte en l'air. D'accord. Il faut les gars, ils montent, regarde ça, le pied là, comment il est. Regarde la grossière, le pied là. Oh maman, regarde mon toit, comment il est en pente, tiens là, là. Vous avez vu le toit là, comment on m'a fait aller en pente pour que le pâtir ramasser. Non, ça t'est enlevé, là, tu vas ramasser, allez. Ah, vous l'avez vu, heureusement, Bernard, là, il n'était pas rien, hein. Il s'attrape un avocat, hein. Ben, il est pourri, il mange. Ben oui, ben oui, voilà. Il faut la smire, Bernard. Non, il la smire. Il faut la smire, hein. Mais bon. Hein. Et les dinosaures, maintenant. Il s'y perd pas le temps aussi, hein. C'est le zonier tout de suite. Pourquoi tu es dinosaure? Ah, dinosaure! Oui, mais ça, c'est un mauvais dinosaure, ça. Ben oui, ça. Ça, c'est un petit dinosaure. Un dinosaure d'Aisne. Hein? Margos même? Margos de l'Aisne. Margos de l'Aisne. Ouais. Comme il gagne un coup là. Mmh. Ah, ouais. Et lui, il est amer aussi un petit peu. Non, non, il est plate. Il est plate. Ben. Et donc, il fait quoi avec ça? Alors, il fait une salade même? On va faire une salade avec. Comment vous coupez les ou... Ben, comme ça, en rond. Un petit rond comme ça, là. Ah, d'accord. Voilà. Mais là, depuis, on a dû aller à la Réunion. Mais il est à la Réunion. Là, ouais, mais là, regarde ici, on a Malbar aussi. Donc, du coup, le bon, ben, il voilà. n'est pas dépaysé, hein. Le Malbar n'est pas minou. Le Malbar n'est pas minou. Voilà. Hein? Voilà. On a un beau peu minou, tu es là, Gatali. 4 minutes, tu es là. Minou! Il n'est pas à minuit aussi. Enfin, ouais. Il est présent, hein, parce que non, aujourd'hui, il aime bien présenter. Voilà. En tout cas, on a la famille aime bien son petit piment. Ah oui, ça il faut. Ah, le petit piment. Ouais, ouais. Ça va mettre ça dans la salade? Ben, il peut mettre, oui. Hein? Oui, on va mettre la salade. Hein? Il peut mettre. Allez, bon. C'est bon, alors, ben, on laisse notre prépare le salade. Ouais, alors, okay, on va dire, moi, t'as l'air. Oui, hein? On va manger avec. Bon, enlève le grain, alors. Mais ici, il faut enlever. Il faut enlever le grain. Mais sinon, ça fait trop de l'eau. Mais où ça, il trouve ma gosse comme ça, là? Ben, ça, c'est chez moi, ça. Je plante tous les ans. Tous les ans, j'ai quand même un peu, hein. À cause de quoi, ce français, comment vous, là? Non, non, mais tous les ans, il plante un peu. Ah, ou riou. Non, parce que depuis l'année, quand je grille avec moi, là, il ne connaît pas que ça l'apprend, lui. Un petit coup français. C'est ça, moi aussi, je sais parler français, si tu veux. Ben oui, mais on va se tutoyer. On va aller en Afrique du Sud. Ah, parce que t'étais en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, you speak English. Harvard time. Voilà. T'es bien Afrique. Oh, super, super. Hey, tellement grand le pays. Ouais, ouais, ouais. Ah, il faut au moins 10 jours, 20 jours pour pouvoir. Et on a fait des réserves aussi, on a fait un petit peu de safari. Safari, on a fait, on a vu tous les animaux. Lequel safari on a fait? Lequel? Ben, lequel? Le safari au parc Kruger. Ah, on fait Kruger Park, à côté Sun City, ça, pas trop loin. Non, pas trop loin, mais il est assez éloigné quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais mais ouais. Les animaux, on a vu les éléphants, les girafes. T'as vu les lions? Le lion, j'ai vu, moi, j'ai deux photos de lion. Ah bon? Dans mon appareil. Oui, ah, vous l'avez vu? Ah, ouais. Moi, elle l'a vu. Moi, elle l'a vu? Ouais, mais non, mais qu'on s'en là-bas, là. Ah, ici! J'ai vu! D'accord, ok. Non, mais il m'aille. Non, mais les gens ne connaissent pas trop que. Au lieu d'aller à Maurice, d'aller machin, ils coûtent très très cher. Vous mieux en Afrique du Sud! Il est pas cher là-bas! C'est pas cher! C'est pas cher là-bas! Et il peut aller et il voit d'autres choses. Et en Afrique du Sud, qu'on arrive, hein, ben, elle cause pas ou en euros, comme à Maurice là-bas. Non, c'est le Rhône. Hein, le Rhône. Le Rhône. Voilà, voilà. Voilà. Hein. Et il prend pas créole pour des. Les imbéciles. Non, on m'a pas dit non, ça. Non, on m'a pas dit ça. Non. Il prend pas créole pour. Des vaches à lait, mal dit. Non, mais on n'est pas vaches à lait non plus. Non, mais des fois qu'on se va en vacances dans les pays de la zone, là, là ouais. Des fois, ils prennent un petit peu pour machin. Alors qu'en Afrique du Sud, moi, ma fille, allait quelques fois, on paye le billet exactement le même prix italien que quand ça Maurice. Voilà. Hein, on rajoute 100 euros dessus. Au lieu d'aller à Maurice, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et là-bas, voilà. Là-bas, elle n'est pas chère. On voit de tout. Un hôtel, là, un hôtel 4 étoiles pour 100 euros, gagne. Mais c'est manger les pas cher. Ouais. Toutes les pas chères. Il faut seulement qu'elle parle un petit peu anglais parce que ouais. Ben, elle pas encore le français. Mais vous connaissez comment on fait? Oui. On prend un guide français et vous paye Ali. Vous connaissez combien coûte Ali? Coûte à 200 euros pour le voyage. Oui, ben nous on avait un guide. Vous l'avez? Ah, on la prend ça aussi. Hein oui, et il y a pour le tranquille. Voilà. Voilà. Ah, des fois là, hein, il faut regarder un petit peu plus loin ce que Dieu peut voir. Voilà. Hein? Voilà. Non, mais il est à voir. Il est à voir. Ouais. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais, hein. Et même, vous pouvez aller un petit peu au Cap, dépasser un petit peu. Non, mais nous, il n'est pas parti partout parce qu'il est trop grand. Est le trop grand, pays. Les réserves, les grands là-bas. Voilà, hein. Voilà. Et des fois, quand on roule là-bas, là, hein, quand on garde la route tout autour, là, on va voir comment les grands. Et les autoroutes qu'il y a là-bas. Oh là là. Ah, il y a beaucoup. Eh ben, dis donc. Ouais. Mais bon, alors.
Bah, ciao. En tout cas, t'es content de voyage. Content, content. Et à refaire. À refaire. À refaire, les gens, hein. À refaire, on y refait. Refait. L'année prochaine, peut-être pas, mais après, dans deux ans. Dans deux ans. Dans deux ans, on refait Afrique du Sud. Ça coûte les un coup dans le Nord. Les bon. C'est un coup le Nord. South Africa. Oui. South Africa. Hein, c'est ça, hein. Les bon. Ok. Merci bien. Il y a longtemps. Ben là, Miroussiaï bien. Miroussiaï bien. On enlève de l'eau de vide tout dedans. Ah hein, oui. Et on ne fait pas frites à l'écro. Non, mais canard, c'est pas fou. Pourquoi après, ben. C'est bon, mais puis, c'est pas idiot. Voilà. Dieu aussi. Ben, il dit aussi. Ah, comme ça, il devient comme semelle soulier. Moi, j'ai jamais vu semelle soulier, moi. De toute façon, il met sa vague. Mais il ne peut pas voir semelle soulier. Ouais. Hein? Ouais. Et ouais. Là, vous avez fait tout à côté, les finis. Tout est fini, la girofle, poivre, les scrabes, tout est là. J'ai un jambe aussi, hein. J'ai un jambe aussi. Voilà. Et coup de girofle. Voilà. Hein? C'est bon. Ils mettent pas le thym dedans, ils mettent un petit peu le thym. Un petit peu le thym. Voilà, parce que nous, le thym, t'es là, j'ai fait préparer un petit peu. Un petit peu PSI aussi. PSI aussi, hein. Voilà, mais je ne connais pas pourquoi la main de chouchou là. Voilà. Hein, ça, c'est Roger, hein, ça. Ça fait joli. Bah. Fait joli. Ah, oui. Je connais Roger comment il est, hein. Il est un peu joli, hein. Donc, mais là, ça vous prépare à ton avis que lui revient un petit peu. Mais il tape pas, hein. Il tape pas, il en a. Ça rajoute toutes les épices après dedans, là. Bah, hein. Voilà. Voilà. Sans l'huile, hein. Sans l'huile, hein. Non, là, pas rien dedans, là. Pas de l'huile, rien du tout. Pas d'huile, pas rien. Vous l'attrapez le marmite, tu l'as fait chauffer, voilà. Pour aller là-dedans, hein. Ça, c'est bien. Là, il y a un peu tout son vie, là, rougit un peu. Ouais, ouais. Après, nous bombardons. C'est bon. Hein. Vous l'avez comment me filmer, ou de près, moi, là. Ok. Ok. Bande de monde après les causes. Mais il peut filmer, ou de loin aussi, hein. Donc, voilà. Mais ma vie, Calix, c'est. À la télé, il est gros. Il est gros. Ben, et là, il est maigre. Et là, il est maigre. Ah, ouais, moi aussi, des fois, on a dit, mais là, il fait gros aussi. Mais bien, trop gros, moi. Hein. Mais perdre 2 kilos, mais mon ventre, tu n'as pas perdu du tout. Là, deux jours. Des fois, je ne comprends pas. Hein, ouais. Mais perdre 2 kilos, mais mon ventre, tu ne perds pas. Oh, là, ça mal jours. Bas, ça. Ça mal bas. Ça mal bas, ça. Alors. Bas, voilà. Ah, où rit, où là-bas. T'as dit comment il rit là-bas. Il rit, ben. C'est bon, là. Bon, il revient un instant, alors. Hein. Okay, bon. Hé, qu'est-ce que tu fais avec ma amie là ou là. Ah, mais là, t'as le premier lot. Ah, ou là, j'ai le premier lot, alors. Ah, oui. Ah, là, il y a chahi alors. Hein. Et après ça, c'est les bonnes épices que tu me fais pour finir. Oui, oui, les bons là. Pour les boucanés. Les gingembre, les oignons. Et gingembre maladie ou pile pas ou hache. Liache, oui. Liache. Ah, ou liache ou liache. Ou liache, allez où. Ben, mais qui liache pour faire. Bon, toutes épices, c'est bon, on est prêt alors. Mais les oignons verts, tout. Eh, le film hache d'oignons verts, tout alors. Oui, ben, le monsieur là. Ben, ouais. Ah, comment votre nom, dis-moi un petit coup là. Jean-Claude. Jean-Claude, comment? Ratenon. Ratenon? Ah, elle est bonne. Hein? Moi, je connais un chemin, ça tendrait pas le chemin Ratenon. Ah bon? Ben oui, parce que mon centre de bien-être est dans le chemin Ratenon. Oui, donc, si un monde veut faire du bien-être, là, il pense Ratenon, il descend le chemin Ratenon, ça tendrait. Il va trouver le chemin Ratenon, on a mon centre de bien-être dedans. C'est bon? Elle est bonne. Ok. C'est Ratenon, hein? Qui est cousin? Ah, ben, on a fait un petit coucou à Hugues. Jean-Hugues. Hein, Jean-Hugues, fait un petit coucou. Hein. Je ne sais pas s'il est en France, il est bien. Hein, donc, on a fait un petit coucou. Hein. Coucou. Voilà. Hein. Et c'est un nouveau papa, ça vous connaît. Hein? Il est un nouveau papa. Là. Oui. Hein, à son âge, il vient un petit barmaï. Là. Oui. Un petit garçon. Voilà. Ma partie baptême toute. Hein. Ouais. Ben, explique à vous après. Ah, on l'a mis propre, hein. Ah, bah oui, vous mettez un peu. La peau de coupe après, hein. Après, du coup, qui a fait le délafumé-t-il? Le délafumé? Ah, oui. Ah, ouais. Oui. Il y a pas de sel aussi, de l'air un petit peu. Hein. Ah oui. Après, on l'a un petit peu comme ça, on lève un peu le sel aussi. Voilà, là, le sel. Mmh. Elle a le goût de fumée, bonne la fumée avec un. Ouais. Après, il y a ça, il y a pris tranquille. Et après, il y a saison. Après, c'est une frite, elle est bon. Bon. Fais frite un petit peu avant, hein. Ah oui, fais frite un petit peu avant. Voilà. Et si tu rajoutes de la noix de pécan dedans. Après, oui. Que je la ramène de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Voilà. Exact. Les bons. On va mettre de l'huile dit tout le temps. Regarde la quantité d'huile là-dedans. Avec ta mère, là, tu mets les bras. Ah, donc là, il faut qu'on enlève de l'huile. Il enlève tout le monde. Alors, on ne peut pas mettre de l'huile, mais au final, on a gagné de l'huile. Un peu d'huile. Eh ben, dis donc. Ouais, mais il paraît que de l'huile de canard n'est pas trop méchant pour la santé, hein. Ah. Ça va, hein. Ouais. Laissez. Bah oui, laissez. Bah, parce que sinon ça, il ne fera pas bon. On a Julie arrivé. Ouais. Hein ouais. Mais comment ça va, toi? Ça va très bien. Ça va. C'est quoi cette tenue-là? Merci beaucoup, mesdames, c'est très gentil. Bah, on est en Afrique du Sud et où sont en Angleterre? Ah, ben oui, décidément, hein, nous la donne le mot. Hein. Ah, donne le mot. Qu'est-ce qui se passe? Ben moi aussi. Voilà. Bah, le mieux, pas besoin des bisous quand même. Allez, fais bisous. Voilà. Hein, nous regarde le canard toujours. Voilà. Hein, nous regarde le canard toujours. Le canard, là.
qu'on rajoute des pistes, dis-moi alors. Ouais, ouais, ok. Et bon. Ou le matin, c'est bien d'ici pour gagner. Ben. Sinon, ça, c'est en milieu, ça partout. Partout, un agent, comme rachète un. Rachète un quoi? Un robot. Un robot, mais robot, après, le mettre qu'on aime, petit canard comme ça, là, pour beaucoup de monde, après, tout là. Dans le pilon, le goût, le meilleur. Le meilleur. Le meilleur, le goût, hein. Ouais, voilà. Hein, bon. Ah, mais elle est jolie, ça va. Julie, où la vie? Est-ce qu'il y a un canard? Voilà. Un petit bougain boucané aussi, l'autre côté là-bas. Et un petit bougain boucané. Et après, comme ça, ça fait un petit bougain pichard. Et un petit sauce piment qui passe bien avec. Un petit sauce pichard. Un petit sauce pichard aussi. Voilà, on a Lulu aussi avec nous là. Bah oui, oui, bah voilà, maman. Et monsieur Christophe Huette aussi avec nous. Il va goûter la sauce pichard. La sauce pichard. La sauce pichard. Elle est bon. Allez, nous ça va. Il se met des pistes dedans là. Non, mais on prend au poids soleil. Il est au centre de l'univers, ma compris. Voilà, là, ça rajoute des pistes dedans. Voilà, les oignons au départ, bien sûr, comme d'habitude. Les oignons coupés à la main. Hein. C'est bon. Alors, les oignons, le prix baisse un petit peu, 6,50€ ce matin. Les oignons. Ah, ben les bons. Hein? Parce qu'ils changent, des fois, on a gagné les oignons jusqu'à 12€ le kilo. Hein? Oui, oui, mais là, la baisse est. Les tomates, c'est à 3,40€. Ça va, il y a du progrès. On peut dire 3,50€ alors que les tomates, nous avons trouvé des tomates à 15€. Ouais, mais il y a du progrès, ça va. Non, il y a du progrès. Il avance un peu. Ça va, on avance. Là, les oignons seulement dedans. Là. C'est un canard sans huile. Hein? Donc, c'est vraiment la graisse de canard qu'on a là dans la marmite et qui permet justement d'avoir cette huile naturelle. Exactement. Graisse de canard. On a vu le vent comment il est fort, le vent d'hiver. Le vent d'hiver soufflant, ça chante ça. Vent du matin, vent qui souffle, n'y connaît plus la suite. Mais avoir qui chante ça. C'est le vent d'hiver, c'est le vent d'hiver, il fait donner maladie à tout le monde parce que tout le monde est malade actuellement. Hein? Et nous tous à l'hôpital. Là, on a rajouté un peu le thym dedans. Bon petit peu le thym, hein? Bon petit peu le thym. Des feuilles de laurier, Julie, viens voir les feuilles de laurier. Feuilles de laurier. Des vraies feuilles de laurier, hein? Et Roger, tu viens ramener un balbeau. Ah, moi toujours, et j'adore les feuilles de laurier. Comme ça, il ramène pas. J'adore ça, moi. Hein, ouais. J'adore. Et dans un petit peu laurier, bon, hein? Très bon, hein? Toujours. Ah, on se demande bien, bien. Ah, donc, si vous rajoutez un peu laurier, des fois, de temps en temps. Mais si les nains, même. Mais comme ouais. Ici, pas ici, les rats. Écoutez, là, ça peut trop laurier. Ouais. Trop ici. Un moment, là, pas du tout. Spédi, ouais, fait le pilsard. Mais bon. Spédi, allez, vous m'avez fait le pilsard. Ouais, on m'a fait le pilsard. On fait le pilsard alors. Mais bon, alors, vu qu'on est dedans, hein, on a racheté les feuilles de laurier dedans. Hein. Donc pour l'instant, nous n'avons que de l'huile de canard, les oignons, les pains et les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, voilà. On a vu ça, hein. Ah oui. Feuilles de laurier. J'ai vu. Hein, où j'aime, où ça, hein. De quoi? Ben, c'est des feuilles qui parlent de l'or devant là. Ah, tout de suite. De l'or. Mais où les rappelez d'où, hein? Dans les petits chemins comme ça, tout de suite. Je viens Malbarès, viens pas l'eau. Forcément. Hein? Mais voilà. Mais là, les verts, hein? Comment? Les verts. Oui, mais l'or et le vert, il y a quand très bien. Ah, d'accord. Voilà. L'or, il est. Ouais, bah, il plaisera. Là, qu'on rajoute dedans, là, le girofle, l'ail, le gingembre. Voilà, hein. Tout à l'heure, j'avais commencé à rajouter un peu de muscade dedans. Voilà. Le muscade voilà. Est là-bas, hein. Non, on n'a pas de muscade. Non, on n'a pas de muscade. Après, muscade est là-bas, il s'en rajoute dedans. Ok, d'accord, très bien. C'est bon. Ah, ben bah, oui, la marmite, elle est bien là. On a tout ce qu'il faut, les légumes, le roussi qui est là, c'est parfait. Le feu, il est bon. On est bien là. C'est bon, hein. Et on est bien là. Madame là, allez, coupe son petit. Les dinosaures. La gosse de laine. Mais là, c'est les dinosaures de laine. Bon, il n'y a pas trop écailles le dos. Non. Hein? Pas trop écailles. Mais ça nous retrouve chez tout de l'autre côté, ça. Dans l'est, nous la pointons, ça. C'est chez toi. C'est lui qui plante. Ouais, hein. C'est tous les fois que nous viens ici, on dirait. Excusez-moi. Ah, oui. Non, mais elle est loin, moi, mais pas près, là. T'es pas où, hein. Non, mais c'est chaque fois, moi, on a toujours le mordre de me dire même. Ah, même. Et ma fille est très bon, parce que moi, j'adore la margosa. C'est bon pour la santé, en plus. Oui, c'est excellent. Oui. On peut dire la margosa bien, margosa bien. Oui, les deux. Margot sa mère. Julie, regarde ça. Non. Vous l'avez vu? Non, mais elle vient de faire votre caméra. Ça me fait penser à quelque chose. Un petit point. Un point. Un petit point. Un point qui est bien tout petit.
Un point bien fort. Piment cerise. Piment cerise. Et ça, c'est voilà. Bien fort comme ma chère grand-maman. Et on va rajouter la rajoute tomate dedans, là. La rajoute tomate, là. On en rajoute tomate. Regarde ça, la couleur, comment les gars y a déjà, là. Faut qu'on rajoute le vin, les gars y a déjà. Mais là, ouais, même sans le vin, la couleur, les gars y a, hein. Non, mais le gars, c'est professionnel. Le gars, c'est professionnel. C'est un vrai cuisinier. Hein? C'est un vrai par contre. C'est un vrai. Ça fait grand cuisine, bonne malba, partout, quantité tous les deux dimanches. C'est un grand cuisinier ça. Ah oui. À moi, je respecte à lui. Et là, ça débouche le vin. On donne bien, hein, Bernard, on débouche le vin. Et vous, ça rajoute un litre dedans là, après. Hein. Oh, là, débouche le deux. Hein. Bon, c'est deux. Hein. Après, si on en a trop, on a boire. Mais bon, hein, ça rajoute le vin dedans là. Hein. Oui. On va rajouter ça le vin. Voilà, là, ça rajoute le vin. Et là, de côté, nous commençons à faire. C'est ce italien un petit peu, hein, le boucadien. Vous avez dû le couper, on m'a pas dit qu'on l'a coupé, mais. Ah, oui, on l'a coupé. On est bougé un peu, après nos épices. Ouais. Après, mettre les tomates. Ouais. Après, est-ce que vous pouvez les bons? Et là-dedans, quand j'ai pu vous mettre, là, toutes les épices ou? Toutes, même toutes. Ok. Et vous voyez le boucadien, hein? Campagne en bas. Ouais, ouais, non, vous l'avez loin, c'est pour ça. Et puis là, des autres, parce que vous savez, vous connaissez quand même ma amie, c'est des autres. Il y avait des autres. Bah. Vous connaissez, 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 vous on va mettre un peu de vin, on ne monte pas la marche. Non, pas la marche, pas grave. Hein. Et là, après, où la salive revient, on retire un peu de l'eau dedans. On peut le pialer un peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu de l'eau. Un petit peu de l'eau. Voilà. On va mettre un petit peu de pression. Un petit peu de pression. Et on a le goût, ça. Là, il le goût. Hein. Comment on dit créole là? Toutes les bons. Toutes les bons. Chacun fait cuisson manier, hein. Ouais, à son façon. Et puis. Les bons goûts. Allô, boucané, puis bien rougir, je me fais avoir, puis me mettre l'air frais. Ah oui, parce que les oignons, c'est difficile pour rougir. Et là, il faut rougir vite. Mais nous rougir un peu les oignons, puis me mettre l'ail. Bon, c'est un, le safran, tranquille. Un peu du monde, non, ma bien, pas plus. Vous ne pas si tout le monde, tu manges, vous êtes maître, moi, mais vous ne pas si tout le monde, tu manges ici. Ah, non, tout le monde, moi. Tu manges, tu mets un petit dedans, mais pas bon, au moins pas trop fort. Quoi? Mais des petits grains dedans, il arrange, tout le monde. Bon, oui. Et là, c'est un peu d'oignon bonnard. Mais c'est un peu d'oignon bonnard, hein? Oui, c'est bon. C'est bon. Mais là, tu me prépares le salade de margoz, hein? Margoz à miel, le grain est doux. Le grain est doux. Et, mais quoi ça, ça, c'est mon margot, il pousse le grain. Impossible de vérifier parce que madame a fini à tout. Ah, puis les grains de là. Non, bien, mais vous voulez qu'on tire le grain. Tu vois le grain, hein. On lève le grain. Tu manques pas un peu de vin, hein. De vin, il est bon. C'est bon. Mais après, on rajoute une petite à la fin, non. À la fin. À la fin, on rajoute tout, non. Ah bon, comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va, ça va, ça va. C'est là, et là. La gueule embouteillage, madame. Ben, la gueule embouteillage, mais bon. Et puis, d'embouteillage, je fais pas du mal. Là, il voit que c'est dans la patience, qu'il y a un peu la patience. Quand les fonctionnaires, oui. Quel fonctionnaire? La patience. Ah, ouais, mais quand les pas fonctionnaires, il faut la patience. Tout le monde n'a plus la patience comme là. Ah bon? Le brisé, l'île de la Réunion, l'île est intense, le brisé a la patience. Ah bon. Aujourd'hui, on a une bonne bombe là. Ah vous oui. Ogeas, et ouais. Comment il appelle encore lui? Ah, Lille. Christophe Huette, la famille Huette. Big up la famille Huette. C'est bon. Et big up tout le monde. C'est bon. Ok. Allez, continuez à filmer. Il ne fait pas un big up Canal Austral. Big up, t'es Canal Austral. Tous les deux, Milan, Midor, il fait big up Canal Austral. Canal Austral, les magistrales, les gouttes à nous. Yes. Ah oui, c'est un petit peu de temps dedans, c'est un bruit de crépillement. Ouais. Laissez-vous dire, mettez après une autre tomate. Ouais. Un petit peu de safran, après, bon. Après, bon. Après, laissez-les grillir, laissez-les cuire. Là, c'était petit. C'est bien cuit après les bons. Mais bon, là. Mettre pas gingembre dedans, hein. Si, mettre gingembre. Ah, là, j'ai un jambe. Là, j'ai un jambe. Sale, non. De ça, ils ne mettent pas couvert, s'ils apprécient pour canner salé. Ah, bah oui. Bah oui. Ils mettent 10 minutes, s'ils manquent de sel, ils mettent une couverture pour vous. Pour bouteiller après avant. Bah oui. S'ils manquent de sel, ils n'y ajoutent, s'ils manquent pas, ils n'y ajoutent pas. Voilà, exactement. Mais oui. Bon. Comme ça, ils ne peuvent pas aller. Mais bon. Margoz de laine. Ouais, margoz de laine. Après, le piment a même goût que la même couleur que le margoz. Hein. Oui, un petit peu d'oignon après dedans, on crase, allez, comme ça, on crase pas dans la main. On me met crase dans la main, comme on met dedans. Ton chaud de bois, ton chaud de main. Oui, le doigt est déjà coupé. Ah, vous l'habituez, ouais, pas de problème. Ah, vous le doigt l'habituez. Le monde Léo, l'habitude. Léo, très haut.
Bah oui, très aussi la hausse. C'est la hausse ou? Bah oui, c'est comment la sente, c'est la hausse ou la risque en bas? Bah on est arrivé. La moelle est fort? Bah la moelle est fort. Ah. Elle dit la moelle est doux. Quand la moelle est fort, elle est doux comme ça, ah. Hein? Bah virage ou fait pour descendre jusqu'en bas? Ah oui. Ouais. Après, ça va Saint-Joseph. Voilà. Et là, pour ça, on a un petit peu de sel. Le sel, un petit le peu piment, de vinaigre. Vinaigre, de la vinaigre. Hein. De la vinaigre blanc, bien sinon, un citron aussi. Souvent, ok, hein. Citron les meilleurs. Citron les meilleurs. Les bons. Et pas mettre piment d'oiseau dedans, alors. Piment cerise. Il faut pas mettre piment cerise. Le piment là. Piment vert, là. Parce que le piment cerise est trop fort. Trop fort. Les bons. Julie et Mougaï Magos. Ouais, moi je fais ça souvent à la maison parce que c'est très bon pour la santé. Ah bon? Ouais, c'est très très bon. Mais on n'a pas qu'à être Magos comme ça là ou? Non, ben, c'est les Magos façon Komodo là, dragon du Komodo. Ouais, à ouf, façon dragon du Komodo. Ça là c'est la façon dragon Komodo, c'est un Magos qui est taillé comme un dragon de Komodo. Et ça là, les comment dit ça? Et ça là, les dinosaures, comme on dit dinosaures. Ouais, dinosaures. Les dinosaures, c'est elle qui connaît ça. Cassez les cuisottes. Un petit peu de piment, la rajouter. Ça c'est les avocats tombent sur le cheval. Les avocats tombent sur la table, je vais parler la bombe. Voilà, et après ils retombent l'autre côté là-bas. Là ils tombent pas que cheval, le cheval il mange. Vanague et palpitation. Vanague et palpitation. Bon, quelle partie? Quelle partie? Voilà, le thym, le piment dedans. Voilà. Je dis, mais vous gagnez boucané, la semaine la mange trop, hier semaine la remange encore, vous gagnez boucané. Il faut manger boucané, c'est très bien. Tous les jours, ils mangent, vous gagnez boucané. Ah, j'ai eu des fois, la réunion. Hein? Carré canard. Carré canard? Moi, j'aime bien carré canard. Vous aimez bien? Mais carré canard? Il y a connard. Bon, le canard, ça va, il y a cuit, hein? Boucané saucisse, alors boucané saucisse de temps en temps, pas tout le temps, parce que sinon, on va finir au boucané. Même ça mange plus de chat, moi je dis. Ah, si le canard est presque bon là. C'est presque bon là. Hein. Même ça rajoute un petit peu. Verdure. Un petit peu la verdure. La verdure. Un petit peu les oignons verts, tout de suite. Et un petit peu PSI tout de suite. Un petit peu PSI dedans. Puis voilà. Voilà. Et peut-être aller après la fin, on va rajouter un petit peu alors. Ouais, à la fin, hein? On rajoute un petit peu. Et le vin, on la rajoute aussi un petit peu tard là. Oui, on m'a pas vu, hein, mais on la rajoute une deuxième fois. On l'a vu, là-bas. Là, les bons, vous pensez qu'il est cuit là? Le canard est cuit? Le canard est cuit. Bon, ce canard est noir. Et là, on met toute tomate dedans tout de suite. Hein. Ah, oui. Là-bas, il faut ça. Hein. Petite tomate dans le petit. Oh, on va mettre un bon petit peu de tomate là. Hein. Oui. Voilà. Julie, heureusement, tomate coupe plus trop cher, comme là. Ah oui, c'est bien, hein, tomate. On voit quand on tomate tégée, là, on met deux tomates dedans. Boucané, la pointe saucisse, c'est un peu boucané là. Hein. Voilà, hein. Voilà. Et là, il faut qu'on remette du safran dedans. Voilà. Après, on met un petit peu de safran. On met pas trop de safran dans le boucané. Il y a même un petit peu de safran. Dans le bougain, il me dit, mais pas safran. Moi j'aime, moi ça donne de la couleur, hein? En plus le safran est bon pour la santé, donc moi j'aime bien. Voilà, voilà. Safran est jaune. Jaune comme vos cheveux. Non, mes cheveux ne sont pas jaunes. Ah bon? C'est un blond polaire avec des mèches. Ah, non mais c'est la lueur de la lumière. Vous voilà, vomissez, c'est quoi un blond jaune? C'est la lumière. Peut-être faudra tester un coup une mèche de blond jaune dans tes cheveux pour voir ce que ça donnera. Mais parce qu'il passe avec tout le temps. Non, il passe pas. Non, il passe pas. Non, du tout. Du tout? Ah, du tout. Pas du tout. Bon, safran ou pas safran? Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu, pas beaucoup. Une mèche seulement, alors. Une mèche. Une lame de rasoir. Bon, tu sais, écoute ça, donne pas ça à Julie. C'est un blanc bleu. Ouais. Bon, en tout cas, la couleur est jolie là pour l'instant. Ah, hein. C'est bien. Ouais, ouais. Bon, on attend un instant là, le safran après. Hein. Il laisse le tomate un petit peu évaporé, puis après, les bons. Hein. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, on rajoute. Mais écoute, on va mettre vraiment une petite mèche, vraiment. Un hein. Petit peu, pas beaucoup. Ben, comme la mèche Julie veut faire sur mon tête là. Ouais, voilà, exactement pareil. Ça ne tira pas, il ne fait pas. Ben, ouais, dit comme ça, je vais mettre moi un mèche sur mon tête. Non, on va prendre un blond, yeux bleus, et ça sera très bien aussi dans la télé, comme ça. Comme ça, on aura le blond et le brun. Ah bon? Ben, oui. Ben, les bons alors. Bon, d'accord, voilà. D'accord. On a de toutes les couleurs chez nous. Ok, les bons là. Voilà. Mais faut s'arroder, un blond, yeux bleus. Non, pas vraiment le blond, yeux bleus. Ben, voilà, ben, les rodés.
Nous mettons l'annonce. Belle annonce. Belle annonce. C'est pour ça que ça couvre ça. C'est la hausse peut-être, non? Je sais pas pourquoi. Ah, faut les ingénieurs. Les petites mèches rebelles comme ça, tu vois. Voilà, le blond qui fait. Celui comme dans Brice de Nice. Non, mais même pas Brice de Nice, c'est un faux blond, lui. Hein. Non, pas lui. Qui ça? Eh ben dans machin là, le film pareil des animés m'a pas aimé du tout là, mais... le patriarcal là, on met à moi le matriarcal okay. Là. Fait, oh, t'es la marque ou quand même. Il aime pas filmer. Barbie. Il aime pas filmer. Barbie Ken. Voilà, et bon. Allez. Et là, attends, là où viens pour regarder. Non. Regarde que ça s'est rajouté dedans. Des noix de pécan. Pourquoi donc? Parce que regarde que ça écrit sur son t-shirt. South Africa. Oui, et donc. Bah, elles sont en voyage en Afrique. Et il y a plein de noix là-bas. Il y a plein de noix. D'accord. Et donc, ils mettent d'autres caries, pareil que les bons. Oui, ils poussent beaucoup de noix là-bas. Il y en a des champs, des champs. C'est pareil qu'on mette un petit bouillon de poulet qui donne le goût. Ah, ben là, il donne le goût. Et le noix de pécan. Il donne le goût aussi dedans, hein, voilà. Voilà. On met un petit peu de noix de pécan dedans. Voilà, il change un petit peu. Change un peu la donne. Il rend la vie un petit peu plus africaine. Voilà. Voilà, c'est ça, hein. Avec mon africano. Voilà, voilà. Africano. Voilà, exactement. Donc, un rougail boucané à la noix de pécan. La noix de pécan, voilà. Et c'est comme un épice, on met le thym dedans, ben, on met le noix de pécan. Pas de pécan, hein. Pécan en Chine là-bas. Là, le pécan. Nous, là, hein. Comme un pélican. Mais comme les Canadiens. Noix de pécan, le gâteau. Ah bon, les Canadiens. La glace, noix de pécan. Ah bon, yes, yes. D'accord. Allez, viens voir où là-bas, ça fait un petit sauce de pilsar. Hein? Donc, pas Pichard, Pilchard. Pilchard. Et moi aussi, comme il fait ça. On prononce bien le L. Hein? Oui. Vous connaissez que ça vient mettre dans ma sauce Pilchard, comme il fait à la maison aussi. Mais il aime bien mettre le piment confit dedans. Ça donne un bon goût. Ah, bon, d'accord. Bilabi aussi. Hein? Ah, oui. Voilà. Bilabi aussi. Hein? Ah, oui, mais ça, c'est un bon cuisiner. Ça. Vous connaissez que nous avions aller cuisiner où ça? Où ça? Quand on est parti force PTT à Saint-Gilles une fois, que c'était lui le cuisinier. Ah, Saint-Gilles là. Là-bas. Oui, c'est rappelle s'il y a de lui. Ça remonte un petit peu. Avec ma robe bleue. Oui, et puis avec les enfants de. La Creuse. Les enfants de la Creuse. Exactement. Nous faisons un petit coucou. Coucou à toutes les personnes qui étaient présentes et à tous les enfants de la Creuse. En fait, qui aujourd'hui ne sont plus des enfants, qui sont des très très grands adultes. Mm-hmm. Mais nous faisons un coucou à toutes les personnes. Et à sa présidente aussi, comme il connaît. Et à madame la présidente. Voilà. Vous connaissez bien qui fait polémique et débat à chaque fois. Non. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Hein? Non. Ah, mais ça, alors j'aurais pas dû dire. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Non, moi je reprends juste ce que tu as dit. Oui, voilà, dis pas ça. Non, dis pas ça. Voilà, non, les bons. Bon, ok. Allez, alors ça fait le pilchard, nous, hein. Et ajoute bien le L qu'on dit pilchard. Hein. Pourquoi? Mais sinon, c'est pichard. C'est bon? Ouais, mais qui dit que... Il voit pas. Bon, mais là, ça vous fait revenir les oignons. Et après, on rajoute une bonne épice parce que toutes les prêts là. Et ensuite, les bonnes sauces pilchard, elle est là. Regarde là. Annie. Hein. On est rendu gingembre. La roi de gingembre. Gingembre, piment. Il faut avoir un petit peu de gingembre dans là. Le thym. Gingembre, piment, l'ail aussi. L'ail, oui. L'ail, gingembre, piment, dedans pour l'instant. Hein. Et un petit branche de thym. Comme ça, il est crayon. Tout le monde fait ça. Ou croix ou hein. Oh, regarde le citron dedans. Où là trouve le vrai citron? Bah, la pâte citron de la cour. Ouais. Ça, citron de la cour, ça. Ok, citron de la cour. Citron de la cour, ça. On est dans le salade de mangue. Voilà. Oignons là-dedans, piment là-dedans, de sel là-dedans, et puis jus de citron. Hein. Voilà. Hein? Et là, un petit peu de safran aussi dedans. Hein, parce que ben bon, vous avez le char, il faut mettre safran. Toujours. Ah, c'est bizarre, là, pour qui? Ah, la dipil char. C'est pour qui? C'est pour ça qu'il ne mange pas la viande. Ah, oui. Le narabon qui ne mange pas la viande, là, le narabon a quelques personnes. Ah. Tu ne penses pas, Banaou? Non, ben. Ça vient, riche Banaou ne mange pas la viande, là, non? Ben oui, hein. Bien sûr, c'est une économie, ça, qu'on ne mange pas la viande, c'est très bien ça, pas mal pour penser. C'est compliqué pour aller chercher tous les jours que ça n'a pour manger. Parce que la viande, là, on voit la petite ouelle de porc et tout là. Ah ouais, ouelle de porc et tout, regarde ça. Pas beaucoup de tomates. Pas beaucoup de tomates, hein. Parce que la tomate déjà dans le pilchard, hein. Oui, dans le pilchard, la tomate déjà. Regarde ce qu'il y a. Moi, à moi, je fais un petit coucou à tous les bons camarades en métropole, là. Voilà. Mon bon cousin, et puis. Il est bon. Et puis la famille, hein. Voilà, faire un petit coucou. Emmanuel. Emmanuel. Petit bigot pour Emmanuel. Il est bon. Voilà. Emmanuel. Oui, Emmanuel. Bon.
Vous prenez aller où? Mico est pas à moi, quel Emmanuel. Parce que Mico est bon père. C'est le patron de Spédiza. Ah oui, le patron de Fosse PTT. Voilà, mais là, je peux venir ouvrir dedans, comme ça, tout de suite, pour la salle cuit un petit peu. Et après, nous continuons. Allez, bon, on va te dire ici, hein. Qu'est-ce qu'il nous gratte ça, là? Tu le charles gros, hein? Le crase, allez, tout. Mettre un petit peu de l'eau dedans. Donc il y a un peu de tomate dedans, lui. Hein. Ouais, un peu de tomate dedans. Hein. Souman, comment il est? Il est là de soi-même. Ah, ok, ben, qu'on une lumière, là, il s'est ici comme ça. Hein? Commission, peut-être des lumières, non? Peut-être il s'est un petit peu. Hein. Non, ok, Christian. Si s'est il y en a. Le système est maintenant dessus. La miroite, parce que des fois, pas tout le temps. Là, il ne sentit pas. Hein? Là, il ne sentit pas, mais là, il a senti. Il est bon. Voilà. Et là, rajoute un petit peu de l'eau dedans. Hein. T'as vu ça? Ou crase, dis-le, crase, Palio. Non, laisse entier. Laisse entier. Nous, 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 mais le banane, tu avais ma gueule, un gros piment, un gros piment. Mettre des petits gros piments. Des petits gros piments. Les nanos frigidaires, regardez les nanos frigidaires. Des petits gros piments. Des petits gros piments, machin et tout. C'est bon? Hein? Tu lis deux petits gros piments, deux gros petits piments. Comme tu veux. Deux petits gros piments aussi passent bien. Deux petits gros piments. Ah oui, passe très bien. Deux petits gros piments. De toute façon, non, dans le frigidaire là-bas. Hein? Oui, ben, fais les trapper. Elle est là. Hein? Voilà. Pas besoin de mettre bon pain, mais ça donne le goût, ça. Hein? Ça rate un petit peu de safran dedans. Quand tu fais safran, il passe assez jeune, alors. Ah, ou il y a un safran, ouais. Ah, ou il y a un safran, ouais. Ah, regarde ça, la couleur, comment elle est. Un petit peu d'oignon vert là-dessus. Un petit peu. Mais ça fera des. Voilà. Et je vais faire aussi un petit coucou, j'en perds mon affaire, à Aurélie et à Nick. De l'autre côté. Riga Saint-Louis. Riga Saint-Louis. Ouais. Voilà, donc gros bisous à Zot, hein, Miam Azot fort. Et Aurélie, ma chérie, à très bientôt pour une petite émission ensemble. Et gros bisous aussi à Nick. Très bientôt. Voilà, on va faire un petit peu de l'eau dedans. Hein, voilà. Et à côté, on va prépare le gros piment. Hein, là, tu as deux petits gros piments. Tu pouvais passer avec quatre petits gros piments. Hein. C'est petit ou gros? Regarde la nassée, monsieur. Mais c'est gros piment. Gros piment. Voilà. Et bien, il dit le petit gros. Nassée, là, ben. Nassée, ben. Il met en long ou en comment? Fais comme moussant. Hein? Fais en même temps. Il ne sent pas l'odeur. Il ne sent pas l'odeur? Voilà. Aïe, aïe, aïe. Manu, comment ça? Manu Cadet? Manu Diao. Voilà. Manu Diao, quoi? Oula, diable, comme ça, il faut mettre un gros piment dans le chat. Ah, bah oui, il faut. Il faut dans le goût. Bah, sinon, voilà, il manque 1 franc pour faire 5 francs en fin de compte. Donc, bon. Voilà. Ok, la sauce est bonne, il manque pas de sel dedans? Et c'est Manu Cadet? Ah non. Elle est bonne. Correct, ça? Correct? Ça, tu manges pas la viande, ça? Bonjour madame. Ah bon? Ah ben oui. C'est ça, tu manges pas la viande, hein? Mais bon, alors? Donc, on va dire, après tout, on a un coup tout à l'heure, il y a de pouce. Il y a bien, pour rajouter un petit peu d'oignon vert dessus, après tout à l'heure? Ouais, t'as là un petit peu d'oignon vert. T'as là un petit peu d'oignon vert dessus. C'est joli, hein? Il est bon? Ça? Super, hein, ma goûte noix de pécan pour voir. Ouais. Mais il est super le noix de pécan dedans, il améliore le goût. Voilà. Ah, ouais, Julie, il paraît qu'il améliore le goût, noix de pécan. Noix de pécan, il améliore le goût. Bah écoute, on va goûter ça pour voir, tout à fait. Hein. Voilà. Mais bon, maintenant, on va connaître la prochaine fois. Ouais. La dernière, moi, viens où? Café! Eliette, moi, j'ai envie de faire un carré boucané avec notre pécan! Le riz l'arrivée! Riz blanc! C'est bon, noir! Un aïe créole, ce riz blanc! Attends, lâche la vanne dessous! Voilà! Les amis, garde ça! Gata! Ouhou!
la fumée, par exemple, on a deux paf le joint. Ouais. Avec modération, s'il te plaît. Quand même, même sans modération. Non, non, sans. Il n'y a pas de modération pour y aller. Alors, regarde ce riz, comment il est blanc. Le blanc, il est blanc comme de riz. Hein? Les blancs comme de riz. Les jaunes. Alors, le madame a dit son dans les jaunes, pas les sous-t-shirts. C'est vrai. Couleur moutarde. Mi-voix. Alors, bon appétit tout le monde. Les bons, ça mangeait là. Les bons. Bon appétit tout le monde. Merci. Et bon appétit. Bon appétit. Comme on voit, il est joli, hein. Il est bien rose. Hein, il est bien rose, hein. C'est ce qu'on appelle un petit ougaï boucané à la noix de pécan. Ah, ok. Noix de pécan. Boucané, ça hein. C'est boucané à la noix de pécan, ça. Hein, ça va être bon, hein. Ça va être bon. Hein. Ça va être bon. Hein. Plaisir créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.